à prendre place. C'est un honneur pour moi d'apporter la parole en ce dimanche matin. Euh, Permettez-moi de débuter tout de suite. Martin Luther dira de cette lettre aux Romains de Paul, euh, l'épître aux Romains est le véritable chef-d'œuvre du Nouveau Testament et l'Évangile le plus pur. On ne peut jamais trop l'étudier. Calvin dira à son tour Si nous comprenons bien cette épître, nous avons une porte ouverte sur les trésors les plus profonds de l'Écriture. Uh, Feu Artsy Sproul dira Aucun livre n'a eu uh, un, un impact aussi puissant sur ma vie que le livre des uh, Romains. Et oui, L'épître aux Romains est ce que plusieurs considèrent comme étant l'expression la plus complète de la théologie paulienne. Quand vous lisez Romains, vous comprenez qu'il y a une densité théologique. Le texte est dense théologiquement. Et je voudrais aussi vous dire que la lettre aux Romains touche plusieurs sujets très intéressants et pertinents pour nous aujourd'hui en 2023. On est déjà dans notre cinquième message de notre série solafide qui porte justement sur le livre des Romains. La semaine dernière, le titre de la prédication de pasteur Guétan c'était euh, pourquoi le moraliste a besoin de Jésus. Et cette semaine, le titre de ma prédication est Pourquoi le légaliste a besoin de Jésus Et vous allez voir, on trouve tous notre compte dans cette série. Et qu'est-ce que le légalisme, brièvement d'entrée de jeu, dans son sens le plus simple, le légalisme croit qu'on peut gagner ou conserver la faveur de Dieu par ce qu'on fait Le légalisme est un évangile qui n'est pas l'évangile. Et pourtant, pourtant, ça vit en nous. Cet évangile nous séduit, euh, cet évangile définit souvent la façon qu'on se perçoit et qu'on perçoit euh, les autres. Et j'aimerais croire qu'on est to to totalement, euh, nous tous ici, libérés du légalisme, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Euh, je dois avouer que je le vois chez moi. Je dois avouer que je le vois chez mes frères et sœurs, le légalisme prend plusieurs formes. Hein. Il s'agit d'une adhésion stricte à la loi, en particulier à la lettre plutôt qu'à l'esprit. Ou encore, c'est le jugement de la conduite par rapport à l'adhésion de ces lois précises. Ou encore, c'est une doctrine selon laquelle le salut s'obtient par les bonnes œuvres. OK. Donc, tournons euh, dès maintenant nos regards sur le texte de ce matin et on va lire ensemble Romains 2 du verset 12 à 24. Et euh, pendant que vous tournez... Voici un peu ce qui va prendre place ce matin. Euh, je, vais je vais débuter en, en dénouant certains nœuds qu'on trouve dans notre texte. Et par la suite, on va s'attaquer frontalement euh, sur le, au thème du légalisme, ce que Paul fait euh, dans cette portion de texte qu'on va voir euh, ce matin. Puis on va voir certains pièges pour nous aujourd'hui. Amen. On est avec moi. Good. On y va. Romains 2, je vais faire la lecture du verset 12 à 24. Tous ceux qui ont péché sans loi iront aussi à leur perte sans loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes devant Dieu, ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ceux-là qui n'ont pas la loi sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience aussi en rend témoignage, ainsi que leur raisonnement qui les accuse ou les défendent tour à tour. Au jour où Dieu, selon ma bonne nouvelle, juge les secrets des humains par Jésus-Christ. Toi qui te donne le nom de Juif, qui repose, qui te repose sur la loi, qui met ta fierté en Dieu, qui connaît euh, sa volonté et qui instruit par la loi, c'est discerner ce qui est important. Toi euh, qui es persuadé euh, d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur apte à corriger les gens déraisonnables, à instruire les tout-petits, parce que tu as dans la loi l'essence même de la connaissance et de la vérité. Toi qui instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même. Toi qui proclames qu'il ne faut pas voler, tu voles. Toi qui dis qu'il ne faut pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en abomination, tu commets des sacrilèges. Toi qui mets ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car c'est à cause de vous que l'on calomnie le nom de Dieu parmi les nations comme il est écrit. OK. Tout un texte. <laughs> je, je, vais, je vais débuter en, en avançant ce point. Il n'y a pas de partialité, pas de favoritisme chez Dieu. Dans notre texte, Paul avance que Dieu va juger les juifs et les païens non pas en fonction de leur apparence, euh, de leur situation ou de leur avantage culturel ou religieux, mais en fonction de quelque chose de plus intrinsèque euh, qu'on va voir tantôt. Dieu est impartial. Dieu est impartial. Dès le début euh, de notre texte, euh, Dieu, euh, Paul explique l'impartialité de Dieu. Et c'est important euh, d'affirmer l'impartialité de Dieu dès le début, parce qu'au verset 11 euh, de ce même chapitre, Paul dit Il n'y a pas de partialité chez Dieu. Et Paul prend ensuite plusieurs versets de 12 à 16 pour expliquer comment Dieu est impartial. En lisant le texte, c'est comme si je peux entendre des gens dire, «Paul, Paul, tu dis que Dieu va juger tous les hommes selon leur œuvre et donc de manière impartiale, mais en fait, Dieu a donné sa loi juste aux Juifs. Eux, ils ont donc un accès aux actions qui leur sont demandées, mais ce n'est pas le cas du reste euh, du monde. Alors, comment peux-tu dire, Paul, que Dieu est impartial pour juger selon les actes, alors qu'il y, qu y a juste un seul groupe de personnes qui connaît quels sont les actes qu'ils doivent faire Et c'est d'ailleurs, je vous dirais, cette objection, ou, ou du moins un dérivé de cette objection qui revient souvent lorsqu'il s'agit de défendre, de faire l'apologie du christianisme. Qu'en est-il des gens qui n'ont pas le même accès à la Bible que vous, chrétiens Comment seront-ils jugés Je vous dirais qu'à la lumière de notre texte, je pense que Paul répondrait, vous avez raison, différents groupes de personnes ont des avantages différents en ce qui concerne la vérité que Dieu a révélée. Et c'est la raison pour laquelle il dit, car tous ceux qui ont péché sans la loi, c'est-à-dire les nations qui n'ont pas la loi de Moïse de l'Ancien Testament, périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi, les Juifs qui ont la loi de Moïse, seront jugés par la loi. Le jugement de Dieu ne sera pas partial à l'égard de ceux qui ont eu euh, plus d'accès à la vérité. Il va être en fonction de la vérité que les gens ont. Donc, il va dire au verset 12 Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. La loi ne va pas être utilisée pour condamner ceux qui ont péché sans avoir accès à la loi elle va être utilisée pour juger ceux qui y avaient accès. Le texte nous dit En effet, ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui seront juste devant nous. Dieu, ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. OK, maintenant rapidement, une autre question à poser à Paul pourrait nous venir à l'esprit. Comment Comment peut-on faire ce que la loi exige si on n'a pas un exemplaire de la loi à suivre Paul dit que ce qui compte, c'est de faire et non d'entendre. Mais, 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 mais il n'empêche que, encore une fois, ceux qui ont la loi seront avantagés parce qu'il me semble qu'eux, ils savent ce qu'ils doivent faire, non Comment Dieu peut être impartial en jugeant selon nos actes si les Juifs ont la loi et que les païens ne l'ont pas Alors voici la réponse de Paul. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont une loi. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont une loi. Le verset 15 nous dit que la loi morale de Dieu est écrite sur leur cœur. Paul pousse plus loin en disant que la preuve, c'est que leur conscience rend témoignage de cette loi de Dieu écrite dans leur cœur. Vous savez, il y a certaines personnes qui nient l'existence de Dieu. Il y a certaines personnes qui, qui, qui vont nier que Dieu donne des lois universelles, mais quand ils sentent que quelque chose n'est pas respecté, quand ils sentent qu'une loi n'est pas respectée, ils vont dire ce n'est pas juste. Ils vont dire c'est pas correct. Leur conscience appelle à cette loi morale de Dieu écrite sur leur cœur qu'ils nient. Maintenant Okay, on saisit que Dieu est impartial dans son jugement. On comprend que personne ne pourra clamer l'ignorance parce que la loi morale de Dieu est écrite dans le cœur des gens. Et c'est important de comprendre ici que notre texte n'explique pas comment les gens seront sauvés. Notre texte parle du jugement de Dieu. Le focus ici est d'expliquer comment les gens seront jugés. Et au jour du jugement, personne ne pourra clamer l'ignorance. Pourquoi? Parce que la loi morale de Dieu est écrite dans le cœur des gens. Amen. OK. On va retourner à notre texte pendant un instant. Le verset 18 nous dit, ⁇ Toi qui connais sa volonté et qui, instruit par la loi, sais sans discerner ce qui est important. ⁇ Permettez-moi euh, d'avancer mon premier point. Pour euh, le légaliste, le comportement est plus important que le cœur. Pour le légaliste, euh, le comportement est plus important que le cœur. Le légalisme... Euh, nous pousse à nous préoccuper davantage du comportement euh, des autres euh, plus que de l'état spirituel de notre propre cœur. Euh, Jésus va dire en Matthieu 15, 8, euh, Ces gens m'honorent d'élèves, mais leur cœur est loin de moi. Le légalisme met l'accent sur le comportement extérieur et ignore euh, le cœur. Écoutez-moi bien, le vrai christianisme est une religion de cœur. Yeah. Dieu ne se contente pas euh, des mots, Dieu ne se contente pas des comportements, Dieu veut votre cœur, Dieu veut ton cœur. Je vais expliquer euh, brièvement le concept du cœur dans le contexte biblique. D'accord Donc, on va faire brièvement là, une, une théologie du cœur. Dans la pensée biblique, le cœur euh, est le centre euh, de notre personne. Le cœur, c'est la racine euh, de nos pensées, de nos désirs, de nos émotions, de nos motivations et de nos euh, valeurs. Le cœur est le centre de contrôle. Le cœur est le volant euh, de notre vie. Ça signifie que ce qui gouverne notre cœur gouverne notre vie et notre Comportement. Ce qui possède euh, ton cœur possède l'essence de qui tu es. Amen. OK. C'est pourquoi Dieu veut notre cœur. Parce que s'il n'a pas notre cœur, il ne nous a pas. Si Dieu n'a pas ton cœur, il ne t'a pas. Changer, donc changer notre euh, comportement et faire des choses que Dieu agrée alors qu'il n'a pas notre cœur n'est pas suffisant. Imaginez-vous pendant un instant si ma femme me demande de sortir les poubelles et que je le fais. Mais qu'en le faisant, je claque les portes des armoires, je sors à l'extérieur, je claque la porte, j'arrive à l'extérieur et je crie, « Tu veux tes poubelles Teins tes poubelles !» Hein OK, techniquement, je l'ai écouté. Oui, oui, techniquement, je l'ai écouté. J'ai fait ce qu'elle voulait que je fasse. J'ai sorti les poubelles. Mais on s'entend que le cœur n'y était pas. Amen Okay. <laughs> le cœur n'y était pas. Le, le christianisme n'est pas une religion qui se base sur comment tu te comportes. Changer notre comportement et faire des choses que Dieu a créées alors euh, qu'il qu n'a pas notre cœur ne suffit pas. Et c'est la raison pour laquelle on va trouver des paroles choquantes en Ésaïe 1 lorsque Dieu dit, je hais vos assemblées solennelles, je hais vos sacrifices, ils sont pour moi une abomination. Waouh! Waouh, pourquoi Dieu dit ça? C'est pas lui d'ailleurs qui a demandé ces sacrifices et ces assemblées solennelles. Pourquoi il dit ça? Parce que ses actions n'étaient pas l'expression du cœur. La vraie, la foi, la vraie foi, c'est d'abord une affaire de cœur. L'obéissance, pour être une vraie obéissance, c'est une affaire de cœur. C'est pourquoi Jésus, dans le sermon sur la montagne, il, va dé, il déplace les barrières de la loi. Jésus adresse le comportement, mais surtout le cœur. Il dit, l'adultère n'est pas seulement l'acte physique de l'adultère, mais l'adultère est une affaire de cœur. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis euh, l'adultère. Le légalisme, euh, lui, ignore le cœur. Vous savez, le Nouveau Testament fait la distinction entre la lettre de la loi, sa forme extérieure, et l'esprit de la loi. Le, le légalisme sépare la lettre de la loi et euh, de l'esprit de la loi. Il a obéi à la lettre, mais ne respecte pas l'esprit. OK. Vous voulez savoir comment on peut respecter la, la lettre de la loi tout en ne respectant pas l'esprit de la loi? OK. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons que un homme aime conduire sa voiture à la vitesse maximale. La vitesse maximale permise sur les autoroutes, c'est 100 km/h. Donc lui, sur l'autoroute, c'est 100 km/h. OK? Toujours 100 km/h. Pas plus, pas moins. 100 km/h. Notre, notre cher Joblo... C'est toujours 100 km/h. J'ai le doigt qui dit, ok. Peu importe les conditions météorologiques, il conduit à 100 km/h. Pluie torrentielle, 100 km/h. Verglas, 100 km Tempête de neige, pas grave, 100 km/h. Ok. Il respecte la vitesse permise. Mais on est d'accord qu'il se met en danger et qu'il met en danger les autres. Il respecte la loi, mais il n'est pas correct. Devant certaines conditions de route, il devrait avoir le bon sens de ralentir. Ce type de légaliste va obéir à la loi, mais son cœur est loin de l'esprit de la loi qui veille au bon déroulement de notre système routier. Ce, ce type de légaliste peut obéir aux règles, aux aspects extérieurs de la loi, alors que son cœur est très loin de Dieu. Comment ça peut ressembler à ça pour nous aujourd'hui? Oui, pasteur, je lis ma Bible. Je lis ma Bible, pasteur. Pasteur, j'aime ça, les plans bibliques. Tu sais, quand je finis, j'ai un petit check. Puis, puis j'aime ça. Bravo, je suis vraiment heureux que tu lis ta Bible, que tu passes à travers plein de plans bibliques. Ma question, est-ce que, est que la Bible passe à travers toi? On peut, on peut performer avec Dieu. On peut, on peut performer avec Dieu. Le, 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 le légalisme fait la promotion de gagner et de conserver la faveur de Dieu sur la base de ce que je fais ou je ne fais pas. Euh, lorsque la pensée légaliste est prédominante, tu essaies toujours, tu essaies toujours de dealer d'une façon consciente ou pas avec Dieu ou avec ta conscience. Tu peux te sentir coupable de ce que tu as fait et au lieu de courir à Jésus, tu cours à la loi et tu cherches quelque chose à faire pour le légaliste. Ce qui est important c'est le comportement. Pour Dieu, oui, oui le comportement est important. Mais encore plus important c'est le cœur. Okay, OK, on vient de voir que pour le légalisme c'est le comportement plus que le cœur, maintenant on va voir que le légaliste il aime ça les règles. Comme ça, les règles, les règles, les règles. Le légalisme ajoute des règles. Le légalisme euh, élève des règles réalisables, la tradition humaine réalisable, au rang de la loi de Dieu. Il élève la tradition humaine au rang de la loi de Dieu. Marc 7 euh, va dire, c'est en vain qu'il m'adore en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition euh, des hommes. Il arrive euh, parfois, peu à peu, euh, sans nécessairement s'en rendre compte, que le chrétien euh, peut arriver au point où est-ce que ses applications, euh, ses interprétations euh, de la loi prennent tellement euh, d'importance qu'à un moment donné, il les considère comme s'ils étaient euh, la loi euh, de Dieu. Et là, je pourrais donner des exemples extrêmes pour illustrer. Euh, ce légalisme, mais ça, ça serait des caricatures. Puis les gens, vous n'allez pas vous identifier à ces exemples-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des exemples qui sont beaucoup plus proches de nous. Et là, je sais que je ne veux pas me faire d'amis <laughs> en citant ces exemples, mais c'est pas grave. Je crains plus de dire la vérité que de me faire aimer. Ok? <rire> Encore. <rire> Vous applaudissez. <laughs> good, good, good. Euh, on, va commencer, on va commencer doucement. Prenons l'exemple de la tenue vestimentaire. Okay? <laughs> quand on, on va à l'église le dimanche, okay? je me rappelle quand j'étais euh, plus jeune, euh, un ami voulait, puis gardez en tête, j'étais fin adolescence, début jeune adulte, euh, ce jeune homme voulait venir à l'église le dimanche matin. Euh, ce jeune homme venait aux réunions euh, du vendredi soir, aux réunions jeunesse, mais il en voulait plus. Il en voulait plus. Il voulait <laughs> venir à la réunion du dimanche matin. Donc, euh, je me rappelle qu'à un moment donné, dans, dans nos essences, je lui ai dit, mais viens donc le dimanche matin. Je peux, je peux même venir te chercher, viens. Mais il m'a dit, je n'ai pas euh, d'ensemble, je n'ai pas de costume, cravate, donc je ne peux pas venir. OK. Je, je comprends. Qu'il est tout à fait juste que lorsque tu assistes à un culte, tu souhaites que tout ce que tu fais soit l'expression de l'honneur, de l'amour et de l'adoration de Dieu. Et, et, et peut-être qu'une qu des façons que tu appliques ça personnellement, c'est que tu viens le matin, euh, dimanche matin, en costume-cravate. Chaque, chaque dimanche, chemise, costume-cravate. Good. C'est une application tout à fait appropriée et honorable euh, des principes d'adoration, mais ce n'est pas une loi. C est, c est, c est... Et on ne doit pas en faire une loi. OK? J'ai aucun problème. Au contraire. Et personnellement, je, je trouve ça même bien. Par contre, tu ne peux pas juger les autres personnes qui font une application différente. Tu ne devrais pas juger ceux qui ne viennent pas en costume-cravate. Tu ne devrais pas les voir comme étant des moins bons chrétiens. On me suit? OK. Là, je m'en vais ailleurs. Un autre sujet où est-ce que je ne vais pas me faire d'amis. Parlons de l'éducation des enfants. Hi. Il <laughs> all right, all right. Euh, y a des gens qui disent, tu veux perdre des amis, parle-leur de l'éducation de leur enfant. Euh, je m'aventure sur un terrain glissant, okay? mais je veux relever un principe. En tant que parents, nous sommes chrétiens appelés à élever nos enfants dans les voies du Seigneur et être des exemples nous-mêmes. Des enfants consacrés, des personnes consacrées à Jésus. Et peut-être que, peut-être que, la façon que toi, tu appliques personnellement cet appel de Dieu à être un parent, c'est en faisant l'école à la maison. Good! C'est une façon de remplir les exigences gouvernementales tout en élevant ses enfants dans les voies de Dieu et en voulant protéger ses enfants. C'est certainement une bonne application des responsabilités parentales que Dieu nous a données. Mais encore une fois, ce pas une loi. Vous ne devez pas apporter de jugement ni condamner les personnes qui ont décidé de s'acquitter de leur responsabilité biblique en envoyant leur enfant dans une école publique, privée ou chrétienne. On, on doit être prudent. Amen? Amen. Le légalisme finit par mettre de côté les commandements de Dieu parce que les règles qu'on ajoute euh, commencent à submerger le cœur et les actions. Donc si tu es légaliste dans la façon que tu t'habilles et quelqu'un à côté de toi t'offense parce qu'il désobéit, pas parce qu'il désobéit la loi de Dieu, mais parce qu'il ne suit pas ton application de l'habillement et que maintenant, ce que ça a comme effet, c'est que euh, tu n'es pas chaleureux avec lui, que tu... On va se le dire que tu ne l'aimes pas, que tu ne lui offres pas miséricorde et grâce. Alors là, mon ami, les traditions auxquelles tu t'amène à enfreindre les commandements très clairs de Dieu envers notre prochain. J'ai donné l'exemple de l'habillement, de l'éducation des enfants. Je pourrais, je pourrais en donner d'autres. La réalité, c'est que si on est au même, si on est honnête avec nous-mêmes, ça nous arrive plus souvent qu'on le pense d'élever des règles au rang de la loi de Dieu. Alors, je t'invite à, son ton cœur, où est-ce que cette dynamique est une tentation pour toi? Comment ça prend forme dans ta vie Et je vous dirais qu'un des effets pervers du légalisme, c'est que ça conduit à la division au sein de l'Église. Le légaliste, vous savez, bien souvent, il ne se contente pas généralement d'avoir son opinion d'une façon isolée. Non, il crée une règle pour lui-même, mais il veut habituellement faire de certaines convictions individuelles des commandements universels. Mais lorsque les autres ne se soumettent pas à ces commandements, le légaliste a tendance à juger. Il a tendance à condamner ou avoir une mauvaise opinion de ceux qui n'acceptent pas sa méthode de vie dite plus sainte. Malheureusement, il y, des, il y a des personnes qui sont tellement attachées à des doctrines non essentielles qu'ils vont au point qu'ils vont exclure les autres de leur communauté. Ils ne permettent même pas l'expression d'un point de vue différent. Il existe de nombreux croyants légalistes qui commettent aujourd'hui l'erreur d'exiger une adhésion sans réserve à leur propre interprétation biblique et à leur propre tradition. Il y a plein de personnes qui pensent que pour être spirituel, il faut éviter l'alcool, la télévision, la danse, les tatous, le cinéma. La, la, la vérité, c'est que d'éviter ces choses n'est vraiment pas une garantie de spiritualité. Le légalisme euh, ajoute des règles euh, à l'évangile au point, au point où est-ce qu'une personne est jugée en fonction de son respect de tous ces règlements, de toute cette tradition qu'on ajoute à la Bible. C'est prendre quelque chose qui ne peut pas vous apporter faveur auprès de Dieu, ni même vous faire conserver votre faveur auprès de Dieu. C'est de prendre toutes ces choses et de les utiliser pour vous contraindre et contraindre les autres. OK. On a vu que pour le légaliste, le comportement est plus. C'est important que le cœur. On a vu que le l'égaliste ajoute des règles à l'Évangile. Maintenant, on va voir que le l'égalisme ne règle pas le vrai problème. L'égalisme ne règle pas le vrai problème. Euh, on serait tous euh, tentés de penser que nos plus grandes difficultés existent à, à l'extérieur de nous et non à l'intérieur. Mais Jésus dit exactement le contraire. Hein. Il dit :« Ce qui est à l'extérieur de vous ne peut pas vous crier. » Et, et, et là, il ne veut pas dire qu'on devrait être laxiste dans notre contact avec le mal à l'extérieur. Ce, ce que Christ enseigne, c'est ce point très important, c'est le mal à l'intérieur de nous qui nous accroche au mal à l'extérieur de nous. Notre problème est intérieur. S'efforcer de changer notre comportement ne va pas résoudre le problème. Si ton problème était euh, euh, simplement un problème de comportement, bien, la loi pourrait être sauvée. Mais ton problème n'est pas un comportement, ton problème c'est ta nature même, ton problème c'est l'essence de qui tu es, ton problème c'est toi, mon problème c'est moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour, pour, pour te sauver de toi, pour me sauver euh, euh, de moi. Euh, dernièrement, et c'est vraiment une phase que je ne sais pas d'où ça sort pour moi, mais je me suis découvert. Un amour pour la bonne pizza. Oui, moi, pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Okay. Je ne sais pas, pas d'où ça sort. Okay. Mais vous savez, là, les, les, les bonnes pizzas avec une croûte bien moelleuse, là, avec euh, la sauce qui goûte juste à point, là. pas acre, pas, pas trop sucrée, okay. et des bons ingrédients. Bref, okay. j'ai goûté euh, d'excellentes pizzas dernièrement, et j'en ai goûté une qui était tellement bonne que j'ai fait quelque chose que n'avais jamais fait auparavant. J'ai laissé un commentaire sur Google sur ce restaurant. J'étais flabbergasté par la pizza, ok <laughs> À ce point-là, oui, 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 Maintenant, aucun problème d'aimer la pizza. Aucun problème. Le problème, c'est quand après deux, trois points, j'en veux une autre, puis une autre, puis une autre. Hein? C'est là le petit, c'est là le petit problème. Euh, j'ai commencé le gym, mais je mange comme un loup. Ça va, ça, 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 ça va pas bien, mon affaire. Okay? Le problème, ce n'est pas la pizza. La, la lutte avec la pizza démontre une lutte plus euh, profonde. Retire la, la pizza le problème va se transférer ailleurs. Notre problème est plus loin que le comportement. C'est Paul Chip qui va dire notre problème euh, n'est pas d'abord le meurtre notre problème est d'abord un cœur meurtrier qui nous permet d'ailleurs d'autres êtres humains, des êtres créés à l'image de Dieu. J'aimerais croire qu'on est tous libérés de cette haine, mais ça serait se mentir. Sûr. Notre problème n'est pas d'abord l'immoralité euh, sexuelle, mais c'est un cœur immoral qui veut des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu pour nous, qui désire des plaisirs plus que l'honneur de notre Seigneur. Notre problème, ce n'est pas le vol euh, physique, mais c'est un cœur matérialiste et, cubite, et cupide qui ne semble jamais être satisfait, qui est allergique au contentement. On est tellement allergique au contentement. J'aimerais vraiment développer là-dessus, mais ça, ça va être pour un autre message. Euh, Imaginez-vous. Euh, que vous assistez à un beau mariage. J'aime les mariages. Imaginez que, que là, vous assistez à un beau mariage et pendant euh, l'échange des vœux, euh, les, 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 les mariés ont écrit des voeux personnels, puis c'est beau, c'est haut en émotion. Et pendant un instant, imaginez que le marié, euh, il prend le visage de la mariée dans ses mains, euh, la regarde droit dans les yeux, il lui dit avec euh, sincérité et l'amour dans le regard, et qui lui dit, quoi que tu fasses, je te divorcerai jamais. Wow, c'est beau, c'est fort. Ok, maintenant, est-ce que vous pensez que la mariée va se dire dans sa tête, All right j'ai hâte de te tromper. <laughs> maintenant, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. veux. <laughs> en enfin, fait, elle sera probablement tellement saisie par l'amour et la grâce de son mari, par l'engagement de son mari à l'aimer que euh, quoi qu'il arrive, que elle va être moins tentée de le tromper. Pourquoi C'est parce que le résultat de la grâce, c'est la sainteté. La grâce amène à la sainteté. OK, maintenant, on reprend le même exemple, puis imaginez que le mari dit autre chose complètement. Imaginez que durant ce beau mariage, durant l'échange de vœux, son mari dit... Euh, OK, je vais rester marié avec toi à condition que tu ne fasses pas des erreurs graves et que tu respectes ta part du contrat. Maintenant, ça, est-ce que ça encourage la fidélité? Non, au contraire, ça incite à la méfiance, qui est le contraire de la, la confiance. Et là, je pense que la femme serait plus tentée de tromper son mari si elle pense que l'amour de son mari est basé sur ses performances. Elle va se dire, tu sais quoi, si son amour pour moi est conditionnel et dépend de mes performances, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir respecter ses désirs. Et ça, ça va conduire au désespoir, et le désespoir conduit au péché. Est-ce qu'on commence à comprendre le danger du légalisme? Le légaliste pense que des règles supplémentaires sont bonnes. Mais c'est la grâce et c'est l'amour qui encourage l'épouse à être fidèle, et non des conditions et des commandements supplémentaires. Vous voyez quand Jésus sauve son épouse, l'Église, c'est comme dans l'illustration, il dit, quoi qu'il arrive... Je ne te divorcerai pas. Notre, notre réaction à cette déclaration d'amour n'est pas d'aller de de, se vautrer dans le péché. Au contraire, cette déclaration d'amour nous éloigne du péché. Le légaliste dit Jésus devrait nous dire, je te sauverai tant que tu feras de ton mieux et que tu essaieras d'être saint. Mais ça, ça amène juste au désespoir parce qu'on pourra jamais être parfaitement saint. On pourra jamais pleinement obéir à la loi. Comme l'a si bien dit Martin Luther, la loi dit fais ceci et tu vivras. L'Évangile dit c'est fait, maintenant, vie. Un légaliste, un légaliste pense que les règles, les règles, des règles, ça nous protège du péché, mais c'est faux. D'ailleurs, notre texte est clair. Paul va dire au verset 21 Toi, toi donc qui instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même. Toi qui proclames qu'il ne faut pas voler, tu voles. Toi qui dis qu'il ne faut pas commettre d'adultère, tu commets de l'adultère. Toi qui as des les idoles en abomination, tu commets des sacrilèges. Toi qui mets ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Clairement, 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 les lois, les règles ne protègent pas du péché. Obéir au commandement de Dieu, c'est pas essayer d'éviter quelque chose que ton cœur veut, veut vraiment faire. C'est comme ça que la plupart des gens ont réfléchi aux règles de Dieu. Il y, a, il, y a, il y a toutes ces choses pécheresses, amusantes que je veux faire, mais hélas, Dieu ne me laisse pas. Dieu ne veut pas. Au lieu. Euh, euh, d'éviter ce que tu désires tellement. Euh, L'obéissance au commandement de Dieu est le résultat naturel d'un cœur qui aime Jésus, qui est reconnaissant pour sa grâce et qui le voit comme étant meilleur que le péché. Pourquoi on évite l'adultère, la pornographie, l'orgueil, la cupidité, l'égoïsme, le racisme? Parce qu'on pense que Jésus est meilleur que ces choses, parce qu'on obéit par amour pour Dieu. 1 Jean 4, 19 nous le dit bien. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On expérimente sa grâce gratuitement. Et et notre réponse est notre amour. Amen. Amen. Le légaliste, lui, veut réprimer ses désirs de péché par crainte de la colère de Dieu. Et le pire, c'est que généralement, il va voir ses désirs réprimés, et le rattraper plus tard. Et une des raisons qui fait que comme ce, ce, ce légalisme est si dangereux, c'est que je suis convaincu que la plupart des légalistes ne savent pas qu'ils le sont. Il pense qu'un qu légaliste est seulement quelqu'un qui pense qu'il mérite son salut mais ce n'est pas la seule définition du légalisme. Un légaliste est quelqu'un qui euh, subtilement essaye d'ajouter à la loi de Dieu. Il ajoute un, une méthode ou un moyen pour arriver à la sainteté. Un, un légaliste c'est quelqu'un qui garde une liste de douzaines d'ntes, une liste de choses à faire et à ne pas faire comme principale expression du christianisme. Un légaliste euh, a quelqu'un qui pense qu'on qu gra, qu grandit dans la sanctification en se concentrant sur la sanctification plutôt qu'en se concentrant sur la grâce de Dieu à notre égard. Un légaliste pense qu'on s'éloigne du péché en, en s'éloignant des pécheurs ou de la culture plutôt qu'en restant proche de Jésus. Eh bien, oui, oui, en passant, bien sûr que Dieu se soucie qu'on suit ses commandements. Amen. À ça, la Bible est claire à ce sujet. Mais bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie une partie de l'histoire. Laissez-moi même vous ramener à lorsque Dieu a donné les dix commandements. Il a donné la loi dans le contexte de quoi Dans le contexte de l'alliance. Tout d'abord, Dieu a fait preuve de bonté. Il a racheté son peuple de l'esclavage en Égypte. Il s'est engagé dans une relation d'amour avec Israël. Et c'est dans ce contexte, après l'établissement de cette relation basée sur la grâce que Dieu a commencé, c'est là qu'il donne les lois spécifiques qui lui sont agréables. C'est dans ce contexte d'amour que les lois ont été données. Comprenons quelque chose d'autre. Le légalisme dévalorise Jésus. Et je vous dirais, c'est extrêmement offensif à l'Évangile. Soutenir qu'on peut mériter la faveur de Dieu en dehors de l'œuvre de Jésus revient à dire que la vie, la mort, la résurrection de Jésus n'étaient pas nécessaires ou ne sont pas suffisantes s'accrocher au mérite personnel en faisant des choses aussi bonnes ou bibliques qu'elles puissent paraître c'est retirer jésus de sa place de suprématie. le légalisme pense que dieu nous accepte parce qu'on fait, on fait quelque chose ou qu'on ne fait pas quelque chose. non! non! dieu accepte les pécheurs parce que jésus a vécu une vie obéissante et est mort à notre place de la peine de mort qu'on méritait. un pasteur a dit le légalisme est un système euh, dangereux, il blesse les brebis, voile l'évangile, marginalise le Christ et nous exalte. Alors que je m'apprête à conclure, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Il y a un professeur euh, de théologie euh, qui a un jour dit "L'essence de la théologie chrétienne, c'est la grâce. Et l'essence de l'éthique chrétienne, c'est la gratitude." Je vais répéter. L'essence de la théologie chrétienne, c'est la grâce et l'essence de l'éthique chrétienne, du comportement chrétien, c'est la gratitude, la reconnaissance. Le, 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 le légaliste isole la loi euh, de Dieu, du Dieu qui a donné la loi. Il n'y a, a pas d'amour, il n'y a pas de, de joie, de vie, de passion. C'est une forme mécanique de respect de la loi. Le légaliste se concentre uniquement sur l'obéissance des règles euh, simples et détruit le contexte plus large de l'amour et de la rédemption de Dieu dans lequel Dieu a donné en premier lieu sa loi. Le légaliste pense qu'on qu doit avoir un peu peur de la colère de Dieu malgré le fait que Jésus a pris toute la colère de Dieu pour nous. Malgré le fait que la Bible enseigne que l'amour parfait chasse la peur. Bien que l'évangile euh, dise tu es pardonné, les légalistes préfèrent dire tu es pardonné si tu. Ou tu es pardonné aussi longtemps que tu. Tu es pardonné, mais. Mais dire ça, mais croire ça, ça enlève la bonté de l'Évangile. Jésus a, a, a vécu parfaitement pour nous. Il est mort pour tous nos péchés. Et si tu le connais, mon ami, ça me fait plaisir de te dire que tu es pardonné. Tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux pas perdre son amour. Point final, fin de l'histoire. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de. Essayez de minimiser ça ou d'ajouter des conditions à ce que Jésus a fait, c'est retomber dans la pensée qu'on peut mériter notre ciel. Le légaliste retire la bonté de l'évangile. Et pourtant, comme je l'ai dit tantôt, c'est son amour, c'est sa bonté qui me pousse à l'aimer et euh, l'obéir. Dans quelques instants, on va chanter un chant que j'aime beaucoup, j'aime énormément, qui parle de la bonté euh, de Dieu. Je vais même vous avouer que cette chanson m'a porté dans des moments difficiles. Quand c'est difficile, quand ça, quand ça va mal, quand ça fait mal, c'est difficile de voir la bonté de Dieu. Quand ça fait mal, quand ça va mal, le légaliste serait tenté de faire plein de choses pour avoir la faveur de Dieu, pour que ça puisse arrêter de faire mal. Ou encore, le légaliste va finir par se détourner de Dieu. Comprenons bien qu'on ne peut rien faire pour mériter les grâces et les faveurs de notre Dieu. Rien que tu fasses ne peut faire en sorte que notre Seigneur peut t'aimer plus. Okay? Maintenant, la, 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 la douleur a, a, a cette façon bien à elle de nous voiler la bonté de Dieu. Mais même dans le feu de l'épreuve, notre Seigneur est bon. Le, le, le légaliste serait tenté de dire, hey, hey, Dieu, tu n'as pas respecté ta part de l'engagement, je ne suis pas supposé vivre ça. Pourquoi je pas ça? Ensuite, ce qui arrive, c'est que cette personne va remettre en question le caractère de Dieu. Et dès, dès qu'on commence, qu commence à remettre en question le caractère de Dieu, ce qui arrive, c'est qu'on cesse de courir vers lui pour obtenir de l'aide. Pourquoi Mais Parce qu'on ne va pas chercher de l'aide auprès de quelqu'un qu'on n'a pas confiance. Si tu ne crois plus que Dieu est bon, qu'il est aimant, qu'il est fidèle, qu'il est bienveillant, tu ne vas pas aller vers lui pour trouver l'espoir et la paix. À la place tu vas, tu vas te chercher des sauveurs terrestres qui vont t'apporter un réconfort. Et quel drame pour l'enfant de Dieu que quand ça va pas, tu cours pas à lui alors que c'est justement de lui que tu aurais besoin. Donc mon ami ne doute jamais, jamais du caractère de Dieu, jamais. Alors je l'invite à chanter, rappelle-toi, je vous invite à vous lever. Et chantons sa bonté à notre égard. Je prie, je prie que tu sois saisi par son amour, par sa bonté, par sa grâce pour toi. Par, pourquoi Parce que c'est la grâce qui amène à la sainteté, pas la loi. Donc frères et sœurs, chantons sa grâce, chantons sa bonté à notre égard. C'était la parole pour ce matin.